Les manchots sont des oiseaux marins appartenant à la famille des Sphénicidés. Voici une description générale des manchots. Apparence, les manchots ont un corps fuselé et robuste, adapté à la vie marine. Ils ont des ailes courtes et rigides qui sont transformées en nageoires et leur permettent de nager de manière agile sous l'eau. Leurs ailes sont inaptes au vol, mais elles sont utilisées pour la propulsion lors de la nage. Les manchots ont un plumage dense et imperméable qui les aide à rester au sec et à maintenir leur température corporelle dans l'eau froide. Leur couleur varie selon les espèces, mais ils ont généralement un dos noir et un ventre blanc. Taille. Les manchots varient en taille en fonction de l'espèce. Les plus petits manchots, comme le manchot pygmée, mesurent environ 30 cm de hauteur, tandis que les plus grands, comme le manchot empereur, peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Habitat. Les manchots se trouvent principalement dans l'hémisphère sud, bien qu'il existe également quelques espèces vivant dans des régions subtropicales. Ils habitent des régions côtières et des îles recouvertes de glace, comme l'Antarctique, les îles subantarctiques, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et certaines îles de l'océan Pacifique. Mode de vie, les manchots sont des oiseaux marins qui passent la majorité de leur temps dans l'eau. Ils sont d'excellents nageurs et plongeurs, pouvant atteindre des profondeurs considérables pour se nourrir de poissons, de calmars et d'autres proies marines. Les manchots sont également capables de rester longtemps sous l'eau grâce à leur capacité à stocker de l'oxygène dans leurs muscles et leur sang. À terre, ils se déplacent en se dandinant avec leurs pattes et forment souvent de grandes colonies pour se reproduire et élever leurs petits. Adaptation à la vie marine, les manchots ont développé plusieurs adaptations physiques pour survivre dans les environnements marins. Leur plumage dense et imperméable est essentiel pour les isoler du froid de l'eau. Ils produisent également une huile spéciale dans une glande près de leur queue, qu'ils utilisent pour imperméabiliser et entretenir leurs plumes. Cette huile aide à maintenir leur isolation thermique et leur permet de rester au sec tout en nageant. Alimentation, les manchots se nourrissent principalement de poissons, de calmars et d'autres petits organismes marins. Leur régime alimentaire varie en fonction de leur espèce et de leur habitat. Lorsqu'ils chassent, ils utilisent leur vision sous-marine pour repérer leurs proies. Les manchots emploient des techniques de chasse différentes, certains nageant rapidement en effectuant des plongées peu profondes, tandis que d'autres effectuent des plongées plus profondes et plus longues pour attraper des poissons des profondeurs océaniques. Reproduction. La reproduction chez les manchots est un processus fascinant. la plupart des espèces de manchots sont monogames et forment des couples qui se reproduisent ensemble chaque saison. Ils retournent généralement au même site de nidification, formant d'énormes colonies regroupant des milliers, voire des millions d'individus. Les manchots construisent des nids en utilisant des matériaux tels que des cailloux pour protéger leurs œufs. Les parents partagent les responsabilités d'incubation des œufs et d'élevage des poussins, se relayant pour les garder au chaud et les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. Comportement social. Les manchots sont connus pour leur comportement social et pour former des colonies massives. Ils se regroupent pour se reproduire, construisant des nids avec des cailloux pour protéger leurs œufs. Certains manchots, comme les manchots empereurs, sont célèbres pour leur migration annuelle vers les terres continentales de l'Antarctique, où ils se rassemblent en vastes colonies de reproduction. Espèces en danger. Malheureusement, plusieurs espèces de manchots sont menacées en raison de la destruction de leur habitat, du changement climatique, de la surpêche et de la pollution des océans. Par exemple, le manchot empereur et le manchot adélie, qui sont emblématiques de l'Antarctique, sont classés comme « quasi menacés » par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. La protection des habitats marins et côtiers, ainsi que des mesures de conservation plus larges, sont essentielles pour préserver ces espèces vulnérables. Migration et navigation. Certaines espèces de manchots entreprennent des migrations saisonnières pour trouver de meilleures conditions de reproduction et de nourriture. Par exemple, les manchots empereurs effectuent de longues et ardues migrations vers les terres continentales de l'Antarctique pour se reproduire, parcourant parfois des centaines de kilomètres. Les manchots utilisent diverses méthodes de navigation, notamment l'orientation solaire, l'orientation magnétique et l'utilisation de repères terrestres tels que les montagnes et les côtes pour se guider. Recherche scientifique. Les manchots sont d'intérêt majeur pour les scientifiques qui étudient l'écologie, la biologie marine et les changements environnementaux. Étant donné que les manchots sont sensibles aux perturbations de leur habitat, ils sont utilisés comme indicateurs de l'état de santé des écosystèmes marins. Les chercheurs étudient également les adaptations physiologiques des manchots pour comprendre comment ils survivent dans des conditions extrêmes et pour obtenir des informations sur l'évolution. Les manchots sont des oiseaux extraordinaires, avec des adaptations uniques et des comportements fascinants. Leur résilience face aux défis de la vie marine et leur charme ont fait d'eux des icônes de la faune sauvage et suscitent l'intérêt et l'admiration des gens du monde entier.